Nous revoilà à Deauville où nous avons croisé sur la route Béranger Bussy du Haras de la Hudrie qui a plein de choses à nous dire autour d'une nouvelle écurie de groupe très spéciale. Bonjour Béranger. Bonjour. Nous te reconnaissons derrière ton masque. Alors dis-nous tout sur cette nouvelle écurie de groupe lancée par le Haras de la Hudrie. Pour qui, comment et surtout autour de qui? C'est un peu spécial, hein, c'est ça. Bah, là, c'est un projet qui mûrissait depuis un petit bout de temps. On lance Hudrie Racing. Donc, c'est une écurie qui va être faite autour du Haras de la Hudrie avec des partenaires et autour de l'étalon Birchwood. Elle aura vocation à acheter des chevaux précoces et minimum 6 chevaux, peut-être d'autres chevaux en partenariat, on verra, et qu'on voudra exploiter de manière rapide et éventuellement recommercialiser après. Et donc on est vraiment dans un objectif de vitesse et de précocité. Donc on va sélectionner des chevaux qui correspondent à ça. On va sélectionner des entraîneurs avec qui on a envie de travailler, qui savent entraîner des chevaux comme ça, qu'on ait fait référence là-dessus. Et puis on va se lancer. Et alors cette écurie Hudrie Racing, c'est ouvert à qui? Et comment on peut faire partie de l'aventure tout simplement? Alors aujourd'hui, le Hudrie Racing, on a un objectif de 450 000 euros de capital. Le Haras de la Hudrie sera participant pour un tiers. Après, on espère qu'il y a des porteurs de parts de Birchwood qui vont nous rejoindre parce que c'est la suite logique du travail qu'on a fait avec le cheval, de la syndication du cheval. Et après, il y a d'autres personnes qui vont se greffer là-dessus, soit des novices, soit des gens qui sont déjà dans les courses et qui viennent. Et par exemple, il y a mon vétérinaire qui veut prendre un bout avec nous juste pour faire partie de l'aventure et s'amuser. Et voilà. Très bien. Et alors, les premiers qui vont être achetés, les premiers Birchwood, c'est en septembre, comment ça s'annonce? Alors les premiers Birchwood, il y a 2 yearlings là qui passent en septembre, après beaucoup au mois d'octobre. Et on a inspecté les 2 yearlings qui passent au mois de septembre, on a regardé le modèle et on va faire un point sur les pédigrés, sur ce qui nous semble bon et avec les entraîneurs avec qui on a envie de travailler, s'ils valident les chevaux par rapport au modèle. Et après il y aura un travail aussi de budget, on verra. Très bien, et ben c'est clair, c'est net, c'est précis. On a eu la chance d'avoir le frère d'Axe Davalis qui est par Birchwood. Donc ça, c'est super excitant pour l'écurie. Et puis, on a d'autres modèles qui arriveront au mois d'octobre qui sont vraiment, pareil, précoces et vite. Parce que moi, j'ai toujours travaillé avec les talons à la recherche de juments qui soient vite et précoces. J'ai sollicité beaucoup de personnes que je connaissais où j'allais faire des recherches qui avaient des juments qui correspondaient au cheval pour qu'elles viennent à la saillie. Donc ces gens-là, s'ils ont joué le jeu et qu'en plus, ils vont venir aux ventes, eh ben, ils vont être contents qu'on soit présents sur leurs chevaux. Merci Béranger. Eh bien, Hudrie Racing, vous savez à qui vous adressez si vous voulez du 2 ans précoce pour gagner, pourquoi pas, le Morny dès l'année 2021. Merci.